Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 25 mars 2023 et nous sommes aujourd'hui dans une solennité qui s'appelle la solennité de l'Annonciation parce que dès Isaïe, la parole nous dit « Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, elle l'appellera Emmanuel car Dieu est avec nous. » Quelle belle promesse, car Dieu est avec nous. Que pourrait un homme si Dieu est pour nous? Que pourrait un homme contre nous si Dieu est avec nous? L'homme ne peut rien contre nous, l'homme ne peut rien faire contre nous. Et Marie va être cette femme capable d'entendre ce que l'ange va lui dire quand il va venir la saluer. Elle va être toute bouleversée et l'ange va lui répondre « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Et c'est la phrase que Dieu nous dit à longueur de temps. « Ne t'inquiète de rien mon fils, ma fille, car tu as trouvé grâce auprès de moi, puisque moi j'ai donné mon fils unique, mon unique fils, afin que tu sois sauvé, guéri et délivré de tout ce qui t'enchaîne, de tout ce qui te rend malade. Je suis là pour te redonner la vie là où tu es mort dans ton quotidien. » Eh bien oui, tu as trouvé grâce Marie auprès de Dieu et tu nous montres le chemin de ce que c'est l'abandon entre les mains de Jésus. Voici que tu vas concevoir un enfant, un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Alors Marie, qui est pleinement femme à ce moment-là, va poser la question, mais comment cela va-t-il se faire? Parce qu'elle sait qu'il faut avoir un homme pour concevoir un enfant. Et là, l'ange va lui répondre une réponse mystérieuse. Incompréhensible. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Et voici que dans la vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Mémorisez cette phrase, car Dieu... Oui, et Marie va répondre à cette phrase. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Oui, qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il advienne selon ta parole, suivant les traductions. Nous pouvons tous nous poser la question comment Marie a pu interpréter cette phrase. Et cette phrase est tellement énigmatique que même nous, aujourd'hui, on peut se poser la question « L'Esprit Saint viendra sur toi ». Alors, comment l'Esprit Saint va-t-il se manifester à Marie? Comment va-t-il la couvrir? La puissance du Très-Haut. Ok, mais c'est quoi cette puissance? Comment va-t-elle se manifester, cette puissance? Et elle va te prendre sous son ombre. D'accord, ok, mais comment? Ça veut dire quoi, sous son ombre? Et Marie n'a comme seule réponse à ce mystère qui dépasse tout raisonnement, toute logique humaine, toute interprétation humaine. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Eh bien oui, je suis la servante du Seigneur. Et nous pouvons répondre nous-mêmes à cette question. Quand nous nous posons la question de ce que le Seigneur a prévu de faire dans notre vie, dans notre quotidien, nous sommes nombreux à nous poser la question « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Que veux-tu de moi? Pourquoi je traverse ce temps pendant toutes ces années où c'est si difficile à vivre? Pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi et comment et comment et comment ?» Nous pouvons tous nous poser ce genre de questions, mais à un moment donné, il nous faut nous mettre dans la position de Marie qui va accepter ce mystère qui dépasse notre raisonnement, notre logique humaine et notre impatience humaine à essayer de comprendre le dessein de Dieu sur nous. Oui, les desseins de Dieu sont aussi élevés que le ciel l'est de nos oreilles et de notre tête. Oui, les desseins de Dieu sont tellement inaccessibles que parfois nous voulons tellement comprendre avec notre intelligence humaine le dessein de Dieu sur nous que nous imposons à Dieu des fois notre diktat de l'instant T. Parce que nous sommes, nous, dans du temporel, nous sommes tellement limités dans notre raisonnement que nous voulons mettre Dieu à notre hauteur. Et nous devons prendre la posture de Marie face à l'énigme de comment va-t-elle concevoir cet enfant. Parce que pour elle, il faut un homme. Et quand bien même l'ange lui a dit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre », c'est une énigme pour Marie. Ça veut dire quoi? Elle ne comprend pas. Alors elle va trouver la seule réponse qui convienne à Dieu d'entendre « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Et oui, parce que si elle ne répondait pas ça, alors elle mettrait en doute la puissance de Dieu capable de faire quelque chose
d'impensable de concevoir un enfant sans un homme. Et c'est là où nous retrouvons la phrase de l'ange qui dit à Marie au sujet d'Élisabeth, car rien n'est impossible à Dieu. Et c'est là notre limite humaine où nous devons nous-mêmes des fois nous incliner devant la toute-puissance de Dieu face à notre quotidien, face à notre journée, à notre histoire. Nous sommes tellement éprouvés, tellement mis en difficulté que parfois nous voulons imposer à Dieu notre volonté. Or, nous le disons dans notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que cette volonté que nous disons qu'elle soit faite sur terre, elle est déjà réalisée au ciel. Elle n'attend qu'une seule chose, c'est de se réaliser sur terre, dans notre vie. Et c'est pour ça que Jésus dira, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Oui, tu n'as voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Et oui, la volonté de Dieu doit primer sur notre quotidien. C'est pas nous qui devons décider comment Dieu va répondre à l'impossibilité de notre esprit de comprendre comment il contrôle notre vie et comment il maîtrise notre quotidien, comment il gère notre quotidien. Alors, tu as une histoire difficile, tu as une histoire douloureuse, tu as une histoire de souffrance, tu as une histoire de blessure, tu as une histoire d'humiliation, tu as une histoire de rejet, tu as une histoire de ceci, tu as une histoire de cela, tu as une histoire de ceci, tu as une histoire de cela. Peu importe l'histoire que tu as, peu importe l'incompréhension de l'instant T que tu vis aujourd'hui face à ton quotidien, la seule réponse que tu dois donner à Dieu est la même que Marie. Je suis le serviteur, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est quoi cette parole? Eh bien, cette parole, c'est rien n'est impossible à Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que Dieu va faire des choses là où nous pensons que c'est impossible humainement. Mais Dieu, lui, est capable de faire de petites choses quelque chose de grand. Tu es peut-être une petite nature dans ta famille. Tu es peut-être une fragilité dans tout ton quotidien. Bien, Dieu va faire de toi un grand serviteur, une grande servante pour son royaume, pour la gloire de Dieu son Père et pour le salut du monde. Réjouis-toi mon frère, réjouis-toi ma sœur, car aujourd'hui est venu pour toi le temps de la grâce, le temps de la bénédiction. Entre dans les promesses de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Sois béni et merci d'exister.